J'ai oublié le micro! Youhou! Merci, mesdames et messieurs, de me le dire! Eh oui, j'ai encore oublié le micro! À chaque fois, c'est n'importe quoi! Alors, re tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live aujourd'hui sur la Gaming Room TV. Pour ceux qui sont là depuis tout à l'heure, eh ben écoutez, on s'est bien éclaté et on va continuer, on était arrivé en Norvège, donc on va couper la zizi et on va aller direction le PC avec Euro Truck Simulator 2. On y va, on continue. Et effectivement, j'avais oublié, les amis, de remettre le micro. Oh, mais que c'est mignon! Que c'est mignon tout ça, qu'est-ce que je suis nul! Bref, ça craint! Alors, on va aller où par contre? On avait pris, on avait regardé du moins les offres de fret. Donc, alors, on va partir d'ici. On va voir en deuxième. Carlisle, non merci. J'avais pas pris déjà de... J'avais pas pris une livraison déjà, il me semble que non. C'est dommage. On avait quelque chose de mieux, non? Ah non, Arus. Allez, ben on va aller à Arus, le roi Merlin. 7 tonnes. Je peux pas vous dire ce que c'est vu que c'est encore le mode russe. Voilà, c'est con. Et donc du coup, direction le roi Merlin en Danemark. Au Danemark du moins. Allez, c'est parti, on y va. Go, 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 on va prendre une livraison au Danemark. Par contre, où est l'entreprise? D'accord, elle est plus loin. Elle est à combien de kilomètres? Exactement, je veux tout savoir. Elle est à 8 km. Bon, moi, ça va, ça a 8 minutes de route. Rien de bien compliqué. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Vous allez toujours bien, j'espère. Vous êtes chaud? Oh, le noob. Merci, Guido. Guido, Guido, Guido. Donc, merci en tout cas de m'avoir soutenu. Je l'avais vu déjà lors du dernier live. Va en Belgique après. Alors, écoutez, on verra. Oui, si on peut aller en Belgique, j'aime bien faire plaisir à tout le monde. Donc, on essayera. Mais au début, on va aller en Danemark. Et si on a une livraison pour la Belgique, on ira directement en Belgique. Et je mettrai du Stromae. Là, là. Aïe, oula. Attendez. Oula. Oula, là. Attendez. Il y a eu un bruit bizarre. Je... Ah, attendez, c'était peut-être ça qui a craqué. Qu'est-ce que c'est qui a craqué? Je saurais pas vous dire ce qui a craqué. Je croyais que j'avais pété mon pédalier. Je me suis dit, rien ne m'a plu, j'ai dû tout casser. Voilà, c'est superbe. Je croyais avoir tout cassé, mais non, pas du tout, j'ai rien cassé du tout, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors, très rapidement, j'explique une petite chose aux viewers sur YouTube. Vous qui regardez cette rediffusion, sachez une chose, pour ceux qui m'ont dit que vous préfériez l'ancienne intro, il n'y a pas d'intro sur la GRTV, c'est un live, je ne mets pas d'intro, c'est juste l'écran de pause. Donc avant la pause, je lance l'enregistrement à la fin de la pause. Tout simplement, voilà, donc vous voyez un petit écran, mais il n'y a pas d'intro pour les lives. Voilà, c'est pour ça que j'avais hésité à le mettre... Allez, on passe orange! C'est pour ça que j'avais hésité justement à le mettre en rediffusion, tout simplement. Et au final, je le mets. Voilà. Hop, alors c'est bon, là c'est un stop, je crois. Pourquoi il est en feu comme ça, lui? C'est bon? Ouais, allez, on va dire que c'est bon. Je suis un fifou, un chaud lapin, c'est vrai. Je peux pas vous dire l'inverse. Il a peut-être un truc mort de rire. Crash chez toi. Non, moi y a pas de crash. Il n'y a pas de crash, les amis. Il n'y a aucun crash sur mon live. C'est pour dimanche le multi sur Euro Truck. C'est possible. Alors, je sais pas trop. Soit dimanche, soit début de semaine prochaine. Voilà. Ou vendredi. Non. Non, non, jusqu'à la fin de la semaine, je vais bosser un petit peu sur ma 100e chronique. Donc, je peux pas vous dire que je ferai un live avant dimanche. Donc, dans le meilleur des cas, ce sera dimanche. Et, oula. Et sinon, ce sera en début de semaine. Voilà. Donc, vous en faites pas. Il y aura forcément du multijoueur sur Euro Truck 2 parce qu'il me semble que ça marche. On avait essayé sur Twitch. Allez, on prend la mission. J'ai ma chaise qui se barre. Alors, en fait, quand c'est pas les pédales qui s'en vont, c'est la chaise roulante qui. Enfin, c'est la chaise roulante. C'est la chaise avec des pédales qui se casse derrière. Alors, c'est pas génial tout ça. C'est pas génial, me direz-vous. Allez, on va prendre la petite remorque. Hop, hop, hop. Attention au poteau. Il y a souvent des poteaux par là, voilà. J'ai horreur de ces entreprises. En plus, elles sont moches. Ça me rappelle les entreprises en fait de des jeux américains là. Comment ça s'appelle déjà? WoS. Je sais plus ce que c'est. Enfin bon, bref, voilà. Wheel of Steel. Et ça me rappelle un petit peu ça. C'est des vieilles entreprises complètement dégueu. Mais bon, on fait avec. Allez, go. Galak, j'espère que ça t'arrange. Que ça te dérange pas que j'ai modifié ton logo pour mon profil YouTube. Bah pas du tout, écoute, alors ça aurait été encore mieux que tu prennes pas du tout exemple sur moi, mais bon, vu qu'apparemment tu n'as pas d'inspiration, voilà. Pas bon. J'aurais, alors si tu veux, Ludo, j'aurais préféré que tu prennes pas du tout la base de mon logo, de mon avatar du moins, mais bon, voilà. Après, c'est toi qui vois.
Après, je vais pas t'engueuler parce que tu as pris ça. Voilà. Je vais pas t'engueuler. Alors, salut. Montre-nous ta marchandise. Ma marchandise, bah je veux... Ah oui, c'est vrai qu'on peut la voir ici. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va peut-être s'arrêter sur un coin pour montrer la marchandise. Parce qu'on pouvait pas la voir, les amis, au début. Je sais pas où je vais m'arrêter par contre. J'aurais pu aller faire un tour dans l'entreprise. Ce qu'on va faire, on va mettre les warnings. Allez, je mets les warnings et je vous montrerai rapidement. Allez, en 2 temps, 3 mouvements, c'est des tonneaux. Alors il me semble que c'est des tonneaux inflammables, oui. Regardez, tonneaux inflammables. Voilà, ça doit être ça. Allez, on repart vite, parce qu'on dérange tout le monde. Nom de Dieu, Galaxou qui dérange tout le monde. Ludo, t'es un con, arrête de mentir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez les amis, on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes dans le chat. Tout le monde va bien, tout le monde est là pour faire la fête. Aïe, j'ai mal au dos. C'est vrai que j'ai mal au dos. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais une douleur au dos depuis ce matin. Je me suis levé, j'ai pris un clip à le direct, c'est un truc de fou. J'avais super mal au dos, j'ai peut-être fait un faux mouvement au ping-pong. Parce que je fais du ping-pong tous les soirs et du coup, j'ai dû faire un faux mouvement, je pense. Pourtant, c'est que du ping-pong, hein, on est d'accord. C'est pas non plus... Alors par contre, je vais enlever les feux parce que j'avais mis les feux. Un truc de fou. Et donc, Binou m'a conseillé des nouveaux modes. Alors si jamais, les amis, je rajoute des modes dans la... les rediffusions, ça me sert à ça aussi, à vous mettre le pack de modes. Si jamais je rajoute des modes pour cette chronique, pour cette carrière suivie, je vous les mettrai au fur et à mesure, en fait, dans les épisodes, dans la description des épisodes en question. Voilà, parce que là, je pense que pour le prochain épisode, pour la prochaine fois qu'on fera un live sur Euro Truck 2, je pense que, justement, je mettrai de nouveaux modes. Parce que j'ai trouvé des lumières plutôt sympas, un mode de lumière que m'a envoyé Binou. Et apparemment, c'est super beau, c'est encore mieux joli que ce que j'ai mis. Donc vraiment, je suis très pressé de pouvoir mettre son mode. Voilà, je vous dis franchement. Et plus Euro Truck 2 est beau, et plus forcément, on apprécie de regarder des vidéos, de regarder des lives. Et de conduire avec aussi, et d'y jouer. Voilà. Je suis calme. Mais oui, Agomods, tu n'es pas le plus excité non plus, mais... Bon. Il y en a des fois, je sais pas pourquoi, ils ont besoin de montrer qu'ils ont raison, mais... On s'en fout, écoutez, on s'en fout. Galaxy 1 sur 10 de conduite. Ok, tu veux que je conduise bien? Bon, ok. On va essayer de bien conduire. Alors, on se concentre. Vous voulez que je conduise bien, hein? Allez, on va tenter. Alors, régime moteur. On reste entre 10 et 15... Et là, par contre, on tourne à droite. Donc, on va freiner à mort. Voyez-vous, si je conduisais bien, je ferais comme ça. Regardez. Je freine à mort. Hop, je tourne. Je respecte bien l'angle du virage. Je reste surtout bien sur la ligne à droite pour ne pas toucher la voiture à gauche. Je sais conduire un camion, les amis. C'est pas que je ne sais pas. Tout simplement. Ah là là. C'est pas que je ne sais pas. C'est juste que, voilà, c'est chaud. Voilà. Galax plus Binou, j'adore, vous roulez bien la livraison externe, extrême, j'adorais chacun de son côté. Ouais, c'est excellent. C'est excellent, mais c'est vrai qu'avec Binou ça se passe super bien et puis ça change un petit peu. Alors je dis pas qu'avec Sodium et les autres c'était pas cool, évidemment c'était bien, mais c'est vrai que Binou ils ont un peu plus d'expérience dans le commentaire, du coup vu qu'ils commandent depuis longtemps, et ils ont plus de 30 balais aussi, même moi j'ai moins d'expérience qu'eux, donc c'est vrai que voilà. Alors apparemment vous voulez que je conduise mieux. Bon, on va tenter. Mettez sur Facebook, mettez sur les réseaux sociaux, Galax va essayer dans les 40 prochaines minutes de mieux conduire. Et là vous allez voir, ça va faire le buzz. Vous allez voir, ça va faire le buzz parce que je ne vais pas réussir. Ah là, le mec il se sous-estime. Non mais si, mais je peux, mais le truc c'est que je veux même si je veux bien conduire, je ne lis plus vos commentaires. Alors vous préférez quoi? Franchement je sais pas, attendez. Ah d'accord, oui, passez là-bas. On y va avec le transport de tonneau. Hop, attention au petit rétro, je vais prendre un petit peu large. Hop. Un jour, ce que je devrais faire... vous savez, un jour, ce que je devrais faire, je devrais faire une chronique sans commentary. Une chronique sans commentary, un petit montage, pour vous montrer que je conduis super bien. Je pense qu'un jour, je vais le faire, vous allez y avoir le droit. Voir, c'est peut-être ce que vous allez avoir samedi. Voir, c'est peut-être ce que vous allez avoir. Je n'en dis pas plus. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des réflexions, mais bon... On va où là en fait? Oula, attendez, j'ai pas tout à fait compris. Embarquement arrivé? Pourquoi? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un bug sur la map parce que ça ne me marque pas les bons trucs. Attends, on est où exactement là? On est où? On est revenu là-haut? Attendez, Arus était là-bas. C'est pas le lieu de livraison ça? Bah si.
Arus, ça veut dire qu'on est retourné là alors qu'on était à Arus. Oula, attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Ah, il y a un problème, les amis, je peux pas y aller. 40 minutes de trajet. Attendez, et si on... Attendez, je sais pas trop, là. Ou peut-être qu'il faut reprendre... Ah ouais, peut-être qu'il faut reprendre le ferry ici. Ah, ça m'étonnerait, il doit y avoir un bug quand même. On va voir, écoutez. Ah, là, j'ai plus de GPS. Là, je n'ai plus de GPS. Pourtant... Attendez, on va essayer de sortir de là. Ah si, là, on a le GPS. Ouh là là, mais c'est bizarre, tout ça. Ok, en fait, ils nous font passer, nous font longer. Ah, bah si, c'est ça, d'accord. Il y avait, en fait, un port aussi pour aller de Norvège en Norvège. J'avais pas compris ça, en fait. Ah oui, si, si, c'est bon. Si, si, j'ai rien dit. Ok, j'avais pas compris. Voilà. En même temps, on n'est jamais venu là. Ça m'étonne quand même que je suis jamais venu là. Peut-être que j'avais jamais pris la promode avec les pays au nord. Ça me paraît... Oh putain, j'ai raflé le panneau. Ça me paraît énorme quand même. Il me semble que je l'avais fait en chronique du routier. Ma foi. Ma foi, je suis pas sûr. Il y a deux petits ferries. Ouais, c'est ça. Voilà. Galax, je vais être routier. Je fais un bac pro conducteur routier de marchandises. Ah, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Alors, franchement, non, le bac pro, je vais pas vous dire que c'est dur. Hein. C'est pas plus dur qu'un autre examen. Mais faut juste s'accrocher, en fait. Faut pas trop stresser. Parce qu'il y a beaucoup de stress dans le routier au niveau du passage de permis, des épreuves, etc. Mais sinon, voilà. C'est vrai que le reste, les matières générales et tout, c'est pas non plus... C'est pas la mort, c'est pas Harvard, hein, voilà. Non mais, franchement, bonne chance pour tous ceux qui passent les examens, en tout cas, enfin, qui vont en bac pro routier. Moi, pour ceux qui ne le savaient pas, je l'avais arrêté, en fait, en cours. Je suis pas allé jusqu'au bout, par contre, j'avais fait, heureusement, un BEP avant, qui est l'équivalent, ou presque, sauf qu'on n'a pas l'appellation bac pro, en fait, parce que le BEP a été remplacé par le bac pro, et j'avais pas fini le bac pro, parce que, je dirais pas que j'ai pété un boulard, mais c'était pas loin, parce que j'avais déjà passé 2 ans de BEP, en plus, je vais refaire 3 ans de bac pro, et c'était trop long, je pouvais pas tenir. Voilà, je vous dis, franchement, j'ai pété un petit cap quand même. Du coup, je suis parti de mon bac pro, tout en ayant bénéficié du CAP, je crois, et de toute façon, j'avais passé mon BEP avant, donc bon, pour moi, il n'y a pas de souci, j'ai tous mes permis, et donc voilà. Mais bon, c'est vrai que l'appellation bac BEP, quand tu dis aux gens, voilà, j'ai un BEP, tu dis aux gens, j'ai un bac pro, même pro, c'est pas pareil, voilà. Tes profs ont été routiers, donc il y a une très bonne entente. Tes profs ont été routiers, ouais, c'est ça. Ah, mais de toute façon, mes profs à Rouen, en règle générale, ils étaient tous bien. Voilà, ils étaient tous bien. Alors, je sais pas si certains ici sont à Rouen, mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont tous bien. Bon, il y en avait un ou deux qui étaient un petit peu plus forte tête que les autres, mais honnêtement, j'ai eu aucun souci avec personne. Bon, après, on a tous des soucis de temps en temps, mais ils nous remettent un petit peu dans le droit chemin quand on fait des conneries, mais c'est tout à fait normal. Arrête-toi! Ouais, c'est bon, je me suis arrêté. Ça, c'est le propre des profs routiers. D'ailleurs, je ne vous spoile pas sur une prochaine série que je ferai, mais ça risque de vous faire marrer. Une série un petit peu plus travaillée, vous verrez ça dans les prochains... Dans la prochaine année, on va dire. Vu que c'est large quand même, je prends large, oui. Voilà. Combien coûte un permis camion? Oula! Alors, je sais pas si c'est pas 5000 euros. Peut-être 2-3 000, je sais plus. En tout cas, c'est entre 1000 et 5000 euros. Enfin, je peux pas vraiment vous dire, mais c'est plutôt cher. Je sais plus exactement, en fait. Parce que moi, je confonds entre le permis poids lourd, super lourd et bus. Donc, s'il y en a qui savent... Oui, moi, j'y vais, Erwan. Ok, Vaille. Alors, Vaille, écoute, ce que tu fais, vu que tu me connais et vu que tu vas à Erwan, surtout, tu ne demandes pas s'ils me connaissent. Comme ça, ils te diront rien sur moi. Ce sera mieux, parce qu'après, tu vas venir te foutre de moi. Il vaut mieux pas, en fait. Il vaut mieux pas leur demander. Parce qu'à mon avis, ils vont vous dire, les profs là-bas, ils vont vous dire, il était très effacé, il était timide, il foutait rien. Faut surtout pas leur demander. Faut surtout pas leur demander... Mais bon, après voilà, on n'était pas non plus en mauvaise entente. J'ai toujours été cool en fait. C'est bon quoi, muet Ludovic. Mais qu'est-ce qu'il a Ludovic a toujours parlé. Alors c'est bien que... demande Tampax là-bas. Voilà, tu peux demander Tampax, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ça c'est mon prof de mécanique qui m'appelait Tampax. Si vous voyez Monsieur Ducret, hein, Monsieur Ducret à Rouen, vous lui dites Tampax. Vous connaissez Tampax? Je sais pas s'il va s'en souvenir, mais ce serait marrant en tout cas. Faites-lui le coup, tiens, pour ceux qui vont à Rouen, franchement. Et peut-être qu'un jour, tiens, ce serait bien que je fasse un truc.
Ce serait bien qu'un jour je vienne à Rouen, je revienne à Rouen, s'il y en a qui me connaissent dans la classe. Et on fait une petite vidéo ensemble. Ce serait marrant, avec les profs. Voilà, je rigolerais. Franchement, je rigolerais. D'ailleurs, tiens, pourquoi pas faire une petite chronique avec les profs routiers? C'est une bonne idée, ça c'est mon permis poids lourd. En plus, je pourrais retourner à l'école, prendre le camion de l'école et vous faire une chronique du routier en direct de l'école. Bon, je vous avouerai que j'ai pas forcément envie de retourner à l'école. Mais... mais ce serait une solution. Voilà, plutôt que d'aller voir une boîte externe, pourquoi pas. Allez. Après, je sais pas s'il sera d'accord, évidemment. Bon, en général, ils sont plutôt cool. Donc ça va. 5000 euros. Ouais, c'est plutôt 5000 euros, hein. Au niveau du permis poids lourd. Hein. Il me semble que c'est plutôt ça. La chronique des vieux routiers. Ah oui, c'est sûr qu'avec les profs, c'est pas le même âge non plus. Hop, on met les feux de position, si vous voulez bien, les amis. Comme ça, on sera mieux. On verra bien. Bonne idée. Oui, bah écoutez, c'est pas pareil parce qu'on connaît les profs. Donc du coup, quand on connaît quelqu'un, on peut demander plus facilement. Et bon, vu comme je les connais, peut-être qu'on sait jamais un jour si je leur demande. Mais bon, après, je vais avoir les boules parce que je sens que je vais être jugé sur ma conduite. Même si je suis plus élève avec eux, je sens que je vais être jugé sur ma conduite. Et je risque d'avoir... Enfin, bref, ce serait marrant. Ce serait comique. Très comique. Bien conduire pendant les 40 prochaines minutes. Hashtag Galax va tenter de bien conduire pendant les 40 prochaines minutes. Ce serait excellent, ça. Ce serait bien, Galax. Bah oui, écoute, parce que c'est vrai que beaucoup de monde me disent voilà, ce serait bien que tu tournes dans un vrai camion, une chronique spéciale. C'est vrai que ce serait marrant. Alors, 10 000 euros pour les 3 permis plus FIMO hors de l'école. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. C'est une tranche de 10 000 euros pour les 3 permis plus la FIMO. Alors, il y a la FIMO aussi à Rouen, et à tous les lycées, je pense, de routiers. Ils nous font également passer. La matière dangereuse, alors une petite partie de la matière dangereuse, donc mine de rien, c'est cool. Voilà, Galax, le PGM de la conduite. Je pense que dans quelques temps, les amis, quand j'y penserai, quand j'aurai prévu ça, oula, pourquoi je mets le frein à main, moi ? Quand j'aurai prévu, je ferai des petites interactions sur Twitter. Ça peut être pas mal. Peut être pas mal de faire des petites interactions sur Twittos. Comme ça, au moins, je me ferai un petit peu plus remarquer. Allez, alors là, on va tourner par contre, tac, tac. Ouh, nickel! Parfait. Alors, oula, je suis en 3ème, ça va pas ça. On reste en 6ème. Bravo Sodium. Toute insulte, ban pendant un jour. Bien Sodium, sois sérieux. C'est bien ça. Salut Galax, salut Lucas. Comment ça va? Le bug des phares est-il réglé depuis la dernière fois? Oui, le bug des phares est réglé. Regarde, je peux éclairer. Regarde, je peux éclairer, ça éclaire super bien. Voilà, tu vois, là on le voit qu'il y a une grosse différence quand même quand je mets les feux et quand je les mets pas. Il y a quand même une sacrée différence à tous les niveaux. Allez. Ok, et là... Ah là là, mais il y a combien de ferries? Sérieux, il y a combien de ferries pour descendre tout en bas de la Norvège? C'est incroyable. C'est incroyable, demande combien il y a de ferries. Pauvre Ludo, il a cherché quoi? J'ai pas compris. Ah écoutez, moi je suis pas toujours ce que vous mettez dans les commentaires, c'est pas évident. Le plus dur c'est FIMO, les fiches écrites. Oh là là, les fiches écrites. Alors ouais, tiens, on va parler un petit peu de ça, mais maintenant que vous me mettez dedans, c'est vrai que c'est... C'est pas forcément des mauvais souvenirs. Je suis sûr que t'étais un cancre à l'école. Oh, mais c'est bon, arrêtez, voyons. J'aimerais bien vous y voir, moi. Hein? Alors, ce que je propose, c'est que je retourne, pour ceux qui vont à Rouen, je reviens à Rouen, on fait une séquence de code à la route, ou de fiches écrites, on y va, et on voit qui c'est qui fait le moins de fautes. Hein? Et je sens que vous allez être surpris. Hein? Voilà. Ou pas. Franchement, non, mais je risque, si vous êtes entraîné avant, je risque de me prendre une torgnole assez énorme. Non, après, ce serait pas forcément un plaisir de revenir dans les fiches écrites. Mais le pire pour moi, c'était pas les fiches écrites, parce que les fiches écrites, écoutez, vous les regardez, vous les bossez un petit peu, et ça passe, sérieusement. Mais le pire, c'est les fiches orales. Les fiches orales, faut tout apprendre, pour lolo. Oh, c'est lourd, et puis c'est long, hein. Ah, c'est très long. Ouais, j'en vois certains qui mettent que la map est super belle. Eh ben, c'est vrai, elle est très jolie, de toute façon, ça c'est le truc de la map pro mode, elle est vraiment superbe, quoi. T'es revenu au point de départ, non? Non, je crois pas, regarde. Hop, je ne crois pas du tout. Carte. Oh putain! Attendez. Non? Non, non, on n'est pas revenu au point de départ. Non, non, regarde, on fait Stavanger. Ensuite, on va descendre. Oh, regarde, en fait, le truc, c'est qu'on descend partout. Là, on doit aller prendre le ferry à Kristiansand. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ferries, moi. Attendez, on regarde un coup. Ouais, il y a un ferry là. Il y a un ferry là. Oui, regarde, voilà. C'est ça. Il y a un ferry là. Il y a un ferry là. On descend, on continue. Il y a un ferry là et qui va directement jusqu'à la ville. Voilà. Mais il y a beaucoup de ferries ici. Hein.
Il y a énormément de ferries. Et je ne comprends toujours pas pourquoi je vous ai pas présenté ça dans la chronique du routier. Nom d'un chien. Bon bah, comme ça, au moins, ça fait une exclue pour le live. Mais bon. J'aurais pensé que je vous l'avais proposé. Et bah, oula. Et bah, pas du tout. Pas du tout, Galaxou. Tu manques à tes obligations. Bon, du coup, c'est une livraison assez longue. Il y a combien de kilomètres exactement? Il doit y en avoir pas mal, si on compte avec le ferry. 441, et ouais, c'est assez long. Mais bon, comme je vous l'ai dit, la chronique du routier, dorénavant, sera plus courte. Je vous l'ai dit dans la 99, sera plus courte. Par contre, les lives seront toujours aussi grands, 45 minutes, une heure de live, maximum. Voilà, ce sera toujours des longues livraisons. Et là, aujourd'hui, tant que je n'ai pas fini cette livraison, nous n'arrêtons pas. Voilà. Simulation de ferry aujourd'hui. Exactement. Je pense que je vais mettre ça d'ailleurs dans le titre de la vidéo. Énorme. Bon, moi je dois y aller à plus, je regarderai la rediff, les galaxiens. Ok, Lilot, merci à toi encore pour ton soutien. Et pour ton soutien dans tous les sens. Moi j'ai la fibre, tu es pas jaloux. Un petit peu, Bat. Un petit peu jaloux quand même. Beaucoup jaloux. Hop. Quel régime fais-tu si c'est pas indiscret? Alors, Murtaza, je fais un régime alimentaire. Non, voilà, moi je fais un régime alimentaire. Alors, c'est pas vraiment un régime, on va dire, mais. Oula. Enfin, si, c'est un régime, si, si. Parce qu'il faut que je perde un petit peu de poids. Comme ça, au moins, après, je serai plus apte, j'ai envie de dire, à vous montrer mes talents de sportif. J'adore. Ou pas. Je sais pas trop si je vais vous montrer. Non, parce qu'en fait, j'ai un petit projet. Ce serait de commencer les séries sur des jeux de sport et en même temps pouvoir faire un petit côté IRL en sportif aussi, pourquoi pas. Ça peut être marrant. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Arrêtez avec vos hors-sujets, c'est privé. Oui, c'est vrai que c'est privé, ça aussi. En fait, ça, en... Écoutez, tout ce qui est régime, etc., ma vie privée, si j'ai envie de l'aborder, c'est moi qui l'aborde. Mais ne mettez pas le sujet sur la table, voilà, parce qu'après, je suis bien obligé de vous dire un truc dessus, quoi. Voilà. Je suis routier super lourd. Ok, routier super lourd, Epic Boom. Epic Boom Boom Boom, Epic Goom, du moins, Epic Goom, routier super lourd. Bah écoutez, moi, à l'école, quand j'étais au lycée, je me souviens d'un truc, c'est que j'étais, alors, j'étais pas le meilleur en conduit, très loin de là, mais je vous avouerai un truc, donc j'étais déjà meilleur que sur Euro Truck Simulator 2, on est ok, mais j'étais meilleur en semi-remorque qu'en porteur, voilà. C'était un truc de ouf, ça. Enfin, en tout cas, il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'étais quand même plus à l'aise en semi-remorque qu'en porteur, et c'est vrai que ça peut surprendre, mais j'ai toujours trouvé que la semi-remorque, c'était plus facile à conduire qu'un porteur. Et même les grands routiers vous le diront, hein, la semi-remorque, c'est plus simple à conduire, hormis pour, évidemment, les manœuvres. Les manœuvres, là, par rapport à un porteur, c'est le jour et la nuit. Là, je vous l'avoue directement. C'est carrément autre chose. Ah ouais, mon volant bouge, en fait. Mon volant bouge, regardez, quand je le... C'est énorme, ça. Pourquoi tu bouges, saleté de volant? Nom de Dieu. Enfin, pourquoi il bouge, ce truc? Ça me déstabilise dans ma conduite. C'est quoi la marque de ton premier camion que t'as conduit? Renault. Renault, parce qu'à l'école, il y avait que des Renault. Voilà. Il y avait que des Renault à l'école, donc c'est forcément un Renault. Ah là là. Tu trouves quoi comme différence entre club tennis... Alors, entre le tennis et le tennis de table? Alors, Bat BG, la différence entre le tennis et le tennis de table? Alors, je dirais que quand même le tennis, en règle générale, on court plus... On fait plus de kilomètres, c'est un peu plus physique, et que le tennis de table, ça demande peut-être plus de... Oula ! Aïe ! Plus de vivacité encore que le tennis. Voilà. Je pense que le tennis, c'est plus physique, mais que le ping-pong, par contre, quand on est vraiment à haut niveau, je dis bien vraiment à un niveau professionnel, ça, c'est très rapide et ça demande à être encore plus vif que le tennis. Voilà, le tennis, c'est l'anticipation, le tennis, c'est tout plein de choses, mais c'est pas exactement la même chose. Voilà. Un petit peu différent. Je pense pas car faut avoir une excellente vision. J'aimerais trop être routier. Alors, après, voilà, moi, routier, j'aimerais bien le faire plus tard. Donc, comme vous le savez, je suis pas encore dedans. J'ai tout ce qu'il faut pour. Donc, si je veux, je peux. Voilà, il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi t'y es pas encore et tout? Parce que je me presse pas. Je fais mon régime. Parce qu'en fait, j'ai eu des petits soucis quand j'étais en stage, je pouvais pas suivre. Voilà, je vous le dis tranquille, on est en live, donc je peux vous le dire. Même si c'est privé, j'ai eu du mal à suivre. Et donc du coup, alors, pour ce qui est de conduire, ok, ouais, je conduis. Pour ce qui est du reste, c'est chaud à suivre. Voilà. Donc du coup, faut un petit laps de temps. Mais, voilà. Au moins, je sais que je suis pas sans rien. Et ça, c'est quand même le principal. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent, comme Med, Jamarir,
Tous des pseudos. Tu as précommandé Farming 2015? Alors oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, on va dire que j'ai préco Farming Simulator 2015 auprès de Giant Software. Non, auprès de Focus, auprès des développeurs, des éditeurs du moins. Voilà, donc ils me l'enverront normalement à la sortie. Voilà. Tu voudrais ouvrir ta société de transport? Oula, Murtaza, oulala! Oula, alors de là à ouvrir sa société de transport, on va attendre un petit peu, hein. Faut quand même. Attends, tu imagines ce qu'il faut pour ouvrir une société? Il n'y en a pas beaucoup en plus qui réussissent à tenir debout, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est encore autre chose. Tu as combien de micros? Oula, j'ai combien de micros? Alors ça, je peux pas te dire. Le Blue Yeti, le Rode Procaster, mes trois Behringer, le micro du casque, on peut le compter dedans. Et je dois avoir quoi? Je dois avoir tous les micros des autres casques aussi. Et puis c'est déjà bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça suffit, moi. Et j'ai également, bon, un truc que j'ai eu il y a pas longtemps, c'est un micro-cravate. Mais bon, c'est un petit micro-cravate à 30 euros. Voilà, un petit à 30 euros qui fonctionne plutôt très bien pour le prix. J'ai été assez étonné. Voilà, 30 euros le micro-cravate, ça fonctionne bien. Donc ce sera pour les vidéos, les amis, un petit peu plus entre guillemets. IRL extérieur que je vous ferai dans quelques temps en fond vert, un petit peu plus professionnalisé en quelque sorte. Je dis bien en quelque sorte, pas non plus que tout le monde ait peur. Voilà. Alors, il faut profiter un peu de sa jeunesse. Même si certains trouvent que je suis vieux. Énorme. Montre le micro Galax, montre le micro cravate. Alors, il n'est pas du tout, les amis, dans cette pièce. Il n'est pas dans mon studio, il est dans ma chambre. Donc voilà. C'est. Oula, attendez, faut que je retourne à droite. Voilà, il est pas là, donc je peux pas vous le montrer, mais par contre, c'est un micro-cravate Audio Technica. Alors, beaucoup de monde ont pris ce micro-cravate, en tout cas pour ceux qui en ont l'utilité, et il est plutôt bon pour le prix. Après, est-ce que ça vaut un Sennheiser de 300 euros? Non, non, ça veut pas du tout, ça vaut pas du tout cette qualité-là, mais c'est déjà très sympa. Voilà. Galax toujours au top, hein. Merci Alros. Spintir et Forza, tu penses les finir? Cette semaine, oui, ça se termine. Il reste deux épisodes, j'ai détourné hier. Moi, j'ai fini de mon côté ma série sur Forza et Spintyr. Il me reste pour Forza quelques petits trucs à faire en épisode hors série. Donc, je ferai un seul épisode, un seul hors série. Voilà, voir un live, je sais pas trop. Et pour Spintyr, bah, si je peux faire des présentations de mode, pourquoi pas, on va voir. Je suis pas sûr. Voilà. Dans ton studio, tu n'es plus dans ta chambre. Alors, Murtaza, maintenant je dis mon studio. Alors, bon, c'est une chambre, si tu veux. C'est une chambre, mais pour moi, c'est un studio. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lit. Parce qu'il n'y a plus de lit, il n'y a plus. Il n'y a qu'un PC, un fauteuil pour que je fasse mes let's play, une étagère avec mon volant, mon joystick pour les jeux d'avion, mon deuxième volant, il y a un piano, il y a des boîtes de jeux, il y a un fond vert, mais alors il n'y a pas de lit. Voilà, donc vraiment. Je pense pas du tout que c'est une chambre. Voilà, avant c'était une chambre. Maintenant c'est plus une chambre, maintenant c'est un studio. On peut pas voir ça autrement qu'un studio. Voilà, c'est pas possible. Voilà. Je reviens, je descends mon chien. Ok, Bat. Fais-lui une petite caresse de ma part. Je te suis depuis ta première chronique du routier. Oula, je fais un décalage. Eh ben merci. Merci, écoute. C'est super sympa, c'est vrai que la première chronique maintenant, ça commence à dater. Un piano. Oui, un piano, oui. Il y a un piano ici que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'apprends un petit peu le piano, mais je vous avouerai que bon, déjà, je sais pas si je suis bien doué, mais clairement, j'ai pas eu le temps de bien m'y mettre encore. Voilà. En gros, j'ai une sorte de studio ici qui avant était ma chambre. J'ai tout mis pour que ce soit que des écrans, que des jeux, que des trucs entre guillemets technologie, et j'ai également. J'ai repris la chambre de ma sœur, et non, c'était pas mon frère. J'ai repris la chambre de ma sœur parce que ma sœur a quitté la maison, donc j'ai pu avoir lui piquer sa chambre. Eh oui, je lui ai piqué sa chambre. C'est ça le truc. Énorme. J'ai bien aimé en tout cas. Bon, elle est pas trop mauvaise. Bon, en plus, par contre, vu qu'elle avait une tapisserie de dauphin, moi ça me va pas tellement, mais bon, ça tombe bien que j'aime bien les animaux aquatiques. J'ai rien contre eux. Mais bon, voilà. Chambre de geek. De gamer. Je préfère dire gamer que geek. C'est toujours plus joli. Je sais pas, je trouve c'est mieux. Voilà. Ce serait top que Galax crée sa propre boîte et tu engages tous les galaxiens. Ça par contre c'est un rêve. Hein. Par contre c'est un rêve. Imagine. Galax, fais gaffe au crash. Ouais. Vous inquiétez pas, je fais gaffe un maximum. Mais je suis pas doué, vous le savez que je suis pas doué. Ce serait top que Galax crée sa propre. J'ai déjà vu, Tony Tech Momo et le.
Winter Mode. Ouais. La première, c'était avec le Momo et le Winter Mode. D'ailleurs, je pourrais retenter une chronique avec le Momo. Ah non, ça me ferait trop bizarre. Ça ferait trop bizarre de faire une. De retourner sur le Momo Racing. Même s'il est pas mauvais, hein. Franchement, il est pas mauvais du tout, hein. Voilà, franchement, le Momo. Moi je l'aime beaucoup et je l'ai gardé jusqu'à avoir le G27, donc forcément tu sens une différence. Parce que sur le G27, t'as un retour de force qui est énorme. Quoi qu'il est très bon sur le Momo. T'as un levier de vitesse, t'as les trois pédales, donc c'est vrai que c'est plus intuitif, hein. C'est beaucoup mieux. Mais bon, voilà, moi j'ai toujours trouvé que le Momo était très bon. Mais pour son prix maintenant on le trouve à 50 euros, hein, le Momo, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi chier dans la soupe, hein. Voilà, franchement j'aime beaucoup le Momo moi. J'aime beaucoup le Momo, c'est pour ça que je l'ai encore et que je le vends pas. Il y a tant de personnes qui m'ont dit, Galax, est-ce que tu vends ton Momo et tout? Et je réponds toujours la même chose, je dis non, 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 je le garde. Si jamais mon G27 tombe en rade, au moins, bah, je suis pas dans le caca. Je suis pas dans le caca et je peux reprendre le Momo et j'utiliserai, ça me dérangerait pas trop. Voilà, ça me dérangerait pas trop. Surtout que quand on regarde la tronche, les amis, honnêtement, des volants qu'on sort actuellement sur Xbox One, alors hormis le TX Racing. Quoi qu'il est trop cher, hein, il est trop cher et il est vendu avec deux pédales pour le moment. Et le volant, franchement, c'est vachement trop cher pour ce que c'est. Alors attendez, faut aller où là? Danemark. Ah ouais, bah on va au Danemark, il me semble. Donc faut aller là. Je suis paumé. Ouh là là. Tu as reçu le G27 à la chronique 33. Eh ben dis donc, c'est que vous allez me faire un historique des nouveautés de la chronique au fur et à mesure. Avec Galax, on se relaxe. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, ah ouais, d'accord, faut aller à droite. Petit rouge. Attention. Hop, oula, c'est serré là. Ils ont voulu faire un terrain de jeu ou quoi là? C'est une blague? Oh! C'est une blague, j'espère. Ils ont voulu me compliquer la vie, je crois bien. Attends, je suis sûr que c'était pas là qu'il fallait aller. Si? Si. Je pense que c'est là qu'il fallait aller, moi. On va bien au Danemark? Il me semble qu'on va bien au Danemark, donc logiquement. Ça doit être là. Ouais, je dois être parti du bon côté. C'est bon, c'est par là. Super Guilherme. Super. Guilherme du moins, excuse-moi. Super. J'ai pris le bon chemin. Je suis content. Je me demandais si c'était bon. Et puis c'était bien là. Mine de rien, on dirait une piste de karting, les mecs. Hein. Comme dit Monsieur Blimik. Hop, on avance encore un peu. Et mine de rien, on est bientôt arrivé au Danemark. Alors attendez. On regarde encore une fois la carte du monde, la direction. Tac tac tac. Voilà, c'est à Aarhus, donc il nous restera encore de la route en plus. Mais regardez-moi ça, là on a un ferry, on descend. Est-ce qu'on a un autre ferry? Non, on n'a pas d'autre ferry, ok, donc c'est le dernier ferry, les amis. Ouf, on va enfin pouvoir souffler, direction Aarhus. Et on va enfin pouvoir souffler. Tac, alors il n'y a pas le choix. Attendez, pourquoi ils me font... Allez, de toute façon on n'a pas le choix, faut embarquer ici. Pourquoi on n'avait pas un autre port plutôt plus en bas? Attendez, je vérifie là. Je vérifie un truc. Ouais. D'accord. Si c'est ça en plus, si. D'accord. Autant pour moi. Allez, on va pouvoir sortir de ce port d'Amsterdam. Non, c'est pas le port. Il est à 129 euros le G27. Non. Non, du tout. Le port est fait pour refaire ton permis. Pas mal. La photo de l'épisode. Mais oui, Alex, t'en fais pas. Je vais faire la photo bientôt. Par contre, il n'y a pas vraiment des feux là. Je vais activer les feux. Attendez. Tac, tac. Voilà, je vais quand même enlever les feux de route, faut pas abuser. Et si on faisait la photo dans ces trucs rouges? Ce serait pas mal, non? Ah, j'aurais dû même le faire tout à l'heure, où il y avait un grand truc rouge. Oh, attendez, attendez. On va essayer de faire une photo ici avec les trucs rouges quand même, c'est marrant. Hop, mode photo, on va voir. Est-ce que c'est bien de le faire là? Oui! À la sortie du port, en plus, on a les feux. C'est pas mal. Yeah, j'aime bien, moi! Par contre, on va pas prendre le pilier, ce serait moche. Oh putain, regardez ça! Oh, c'est magnifique. Peut-être j'aurais dû me prendre vers les voitures. Ça aurait été mieux. On va essayer de changer d'angle. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est beau comme ça. Juste un petit peu plus par là. Ah ouais, pas mal. Le problème, c'est qu'on voit pas la remorque. C'est juste le truc qui me dérangerait un petit peu. Je sais pas trop quoi vous dire. Attendez, on va zoomer un petit peu. Ouais, je suis pas fan non plus de ma photo. Fait un truc bleu bizarre. Bulle bizarre. C'est pas grave, allez, on va prendre la photo comme ça. Allez, pas beaucoup d'applications cette photo, Galax, c'est pas bien. Bah bon, c'est juste pour avoir un petit moment souvenir. Volvo Truck Driving 1 par Galax. Alors moi par contre, ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, c'est créer un jeu vidéo.
J'ai jamais eu l'occasion de m'y intéresser. Ce serait pas mal. Oula, attendez, comment on va faire là? C'est vrai que ça fait un petit peu Scania Truck Driving là le truc. Et donc du coup c'est un Volvo. Ouh là là, il y a un pilier. Alors on va se le prendre hein, le pilier, c'est pas grave. On se prend le pilier. Ah mais d'accord, les piliers sont transparents, non? What the? Ah, on a touché la voiture. On a touché la voiture. Fail by Galaxa. Nouveau fail. C'était magnifique. Franchement, rien à dire. Tente une manœuvre entre les voitures pour la photo. Ouais, j'aurais pu. J'aurais pu, c'est vrai. Pourquoi t'es pas en pause de 3 heures Epic Goom? Le son est un peu décalé. Non. Non, non. Ah, tu veux dire peut-être au niveau de la webcam? Eh ben en fait, elle me fait ça depuis le début. Voilà. J'essaierai de faire quelques réglages si vous voulez pour les prochains, mais c'est vrai qu'à chaque fois, vous me dites ça. Je peux pas bien échanger grand-chose, hein. À part si j'ai pas compris tous les réglages dans OBS. S'il te plaît, mais Pharrell Williams Happy. Alors, on pourra mettre des musiques, les musiques que vous voulez, dans Plug DJ. Voilà. On pourra le mettre, mais pour l'instant, il est en maintenance. Est-ce que Sodium, qui est modo actuellement, peut me dire si Plug DJ est encore en maintenance? Pour que je puisse peut-être le présenter à la fin de ce live. Histoire de vous le montrer. Qu'on soit pas paumé. Je l'ai vu à 12. Son du jeu, mets-le s'il te plaît. Le son du jeu? Mais il y a le son du jeu. Il y a le son du jeu! Moi, pas du tout. Ah, je vous jure. Le son du jeu est volontairement avec la musique mi bas. Mi bas, justement, pour pas trop qu'on l'entende. Et le son du jeu, c'est vrai, de base, on l'entend pas énormément hein, dans Euro Truck Simulator 2. Faut savoir que Euro Truck 2 est assez. Comment dire? Quand on est à l'intérieur d'un camion, même en IRL, le son du camion, maintenant, vu qu'ils sont récents, sont quand même très légers. Hein. C'est pas du. C'est pas comme quand je prends un Kamaz, quoi. C'est pas comparable. Voilà. J'aimais le bug Pac-Man avec le mode Winter. Bah d'ailleurs, écoutez, dans quelques temps, on repassera avec toujours en maintenance. Ok. C'est dommage ça. Et donc, du coup, oui, le bug Pac-Man, alors avec le Winter Mode, on passera sûrement en Winter Mode la prochaine fois. Tac, tac, regardez, ça éclaire mieux, hein. Ça éclaire beaucoup mieux. Et donc, du coup, je dois rajouter un effet de lumière supplémentaire. On va modifier les feux, je pense, pour le prochain. Et regardez-moi le ciel. T'as l'impression qu'il y a une couleur bleue qui te vient. Enfin, c'est magnifique, franchement. C'est superbe. Magnifique. Ah, attention, par contre, je reste à gauche. Et la map Pro Mode, je la kiffe grave. Galax utilise Spotify. Je pourrais aussi, alors je l'ai. Quoique j'ai désinstallé. Je l'utilisais pour faire ma gym le matin. Et puis au final, j'ai fini par mettre du Rocky. De la musique de Rocky, ça va encore mieux. Voilà. Pas comme dit dans la chronique du routier là, pour les bouées des moteurs camions. Ah bah, de temps en temps, dans la chronique du routier, on mettait des Kamaz. Donc forcément, quand tu mets des Kamaz, déjà, c'est. Y a beaucoup plus de bruit. Allez, on met les feux de route, même s'il n'y a pas d'énormes différences. Mais on voit quand même beaucoup mieux. Alors peut-être pas suffisamment. Mais on voit quand même mieux que dans les précédentes. Dans les précédents lives. Voilà. Allez, on arrive bientôt, les amis, à Aalborg. Là, on est à Aalborg. Donc on est exactement, je vais vous dire le nombre de kilomètres qui reste. On est exactement à 104 km, donc on est vraiment pas loin. On prend notre temps. On va enlever les feux de route, il n'y a aucune utilité. En tout cas, c'est vrai que c'est super beau. Même de nuit, franchement, regardez-moi les tunnels éclairage comme ça. Trop classe. Trop classe. Non, Plug DJ est en maintenance. C'est communautaire et vous pourrez participer. Oui, voilà. C'est le but aussi de Plug DJ. Plug DJ, j'ai du mal, hein. Le live est jusqu'à quelle heure? Bah jusqu'à que je termine la livraison et que je fasse des trucs, je sais pas trop. Voilà, on verra bien. Le live, je pense qu'il durera au moins jusqu'à 50. Allez, 50-55. Voilà, on verra bien. TSM ou ProMod? Alors là, c'est la ProMod. Voilà. Galax, tu connais Arma 3? Oui, je connais Arma 3, mon cher CDX91. Je connais Arma 3, mais j'ai jamais osé m'y mettre dedans parce que beaucoup de monde le font beaucoup mieux que moi et le connaissent déjà depuis longtemps. Depuis même Arma 2, hein, c'est vrai que ça ressemble évidemment à Arma 3. Donc je préfère pas me mettre à ce jeu. Attendez. Vous êtes sûr qu'il faut rester? En fait, pourquoi ils m'ont fait sortir? Attendez. Pourquoi ils m'ont fait sortir de l'autoroute? Pourquoi le GPS m'a fait sortir de l'autoroute? Alors ça, c'est la question mystère. Je sais pas pourquoi, pourtant il n'y avait rien derrière. Pourquoi ils m'ont fait sortir de l'autoroute? Alors moi, comme un con, j'ai suivi le GPS, mais j'ai pas compris pourquoi il m'a fait sortir de l'autoroute et remonter après, parce que si on reste sur l'autoroute, ça continue. J'ai pas tout à fait compris. Alors, qui aime les Volvo? Moi, j'adore les Volvo déjà.
Pour toi, quel est le jeu le plus attendu? Alors, sans conteste American Truck Simulator, évidemment. Sans conteste American Truck Simulator. Du côté simulation, sinon les Sims 4. Voilà, et Farming 2015. Du côté gaming, alors pour ma chaîne multigaming, et Project Cars aussi pour la Simu. Du côté gaming, je dirais Alien Isolation, que j'attends beaucoup pour faire un let's play horreur sur ma chaîne. The Evil Within, toujours dans le côté horreur. Far Cry 4. Assassin's Creed, pas énormément. Par contre, j'attends beaucoup la Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor. Voilà, qui est en rapport avec évidemment le Seigneur des Anneaux, vu que je suis fan de l'univers. J'attends énormément ce jeu-là d'action qui a l'air d'être énorme. J'ai vu des vidéos et vraiment, ça va en jeter. Et franchement, Assassin's Creed n'a qu'à bien se tenir en ce mois d'octobre, octobre-novembre là. Parce qu'à mon avis, l'ombre du Mordor va lui faire de l'ombre. Ça se répète un peu, mais bon. Franchement, ça risque d'être énorme. Après, c'est pas exactement le même type de jeu, mais c'est quand même un jeu d'action avec un côté médiéval, enfin, entre guillemets, même si c'est vrai que du côté du Seigneur des Anneaux, c'est plus du fantastique encore. Oula, attention. Waouh, c'est bon. On va baisser la vitesse. Tu feras un live sur Need for Speed. Alors un live non, parce que les jeux de caisse en live, ça bouffe beaucoup et la qualité est pourrie. Voilà, donc j'en fais que sur Forza Horizon si j'ai besoin. Mais sinon, je vais éviter de faire des jeux trop rapides, justement sur la GRTV. Voilà. ATS annoncé sur Micromania pour le 18 octobre. Ne regardez pas les sites! Ne faites confiance à aucun site, même Excalibur, même ce que vous voulez. Il n'y a qu'un seul site qui pourra être clair. C'est SCS Software. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ne regarde pas les autres dates. Alors évidemment, ils ont peut-être eu l'info. Moi, je ne l'ai pas eu. Pourtant, je suis en contact. Donc logiquement, ils ne savent pas encore. C'est pas sûr et certain, voilà. Tu commences à quelle heure tes lives? Alors en général, c'est 14h. Sinon c'est souvent 16h aussi, ça dépend. Mais là, je vais peut-être changer. Je vais peut-être plutôt les faire le soir, de temps en temps. Pourquoi pas? Quoique le soir, j'ai le ping-pong. Donc non, ça m'arrange pas. Ou le matin! Ou le matin! Destiny. Alors Gérard, moi, Destiny, c'est vraiment un jeu qui m'attire pas spécialement. Après, je vous dis pas que je vais pas y jouer, évidemment. Mais je sais pas, c'est pas un jeu non plus qui. Je suis pas très motivé. Alors par contre, j'ai remarqué un truc, si on met pas les feux de route, on voit pas beaucoup. Bon, on voit quand même évidemment, mais on voit pas énorme. À mon avis, on est bientôt arrivé. On prend le temps, les amis, on n'est pas pressé. Je réduis la vitesse et il faut pas tourner. Arus, Arus, non, il faut continuer là. Apparemment, faut continuer. Je suis pas sûr. Si, je crois qu'il faut continuer ici. Il me semble pas qu'il fallait tourner. Non, je dois être bon. Je dois être bon. Le matin à 7h du mat, lol. Oh, alors peut-être pas 7h du mat, mais je dirais peut-être à 9h, 10h. Franchement, ça peut se faire. En gros. Oui, souvent 14-17 et 16-19, ouais. Mais de temps en temps, pourquoi pas faire des lives le matin vers 9-10h. Ça peut être cool. Franchement. Alors après, il y aura moins de monde, mais moi, mon jeu, qui est moins de monde, c'est pas grave. Bah, de temps en temps, ça peut être sympa. Oh non, le matin il faut se lever. Je sais que certains n'arrivent pas à se lever le matin. Mais bon, moi bah c'est vrai que des fois j'ai du mal aussi. Mais bon, ça va. C'est parce que je me couche tard aussi. En général, pourquoi nous les jeunes, entre guillemets, on a du mal à se lever? Parce qu'on se couche trop tard. Eh oui, parce qu'on se couche trop tard. Alors je mets les feux de route parce que sinon je vois rien. Mais voilà. Non, non. De temps en temps, je ferai peut-être des lives le matin. The Crew en let's play. Alors si je fais The Crew, ce sera les amis sur ma chaîne Multigaming. Donc je ferai peut-être The Crew, c'est possible. Mais si je le fais, ce sera sur ma chaîne Multigaming, parce que même Forza, il n'avait rien à voir avec. Même Forza Horizon, il n'aurait pas dû être sur ma chaîne Simulation. Je l'ai fait quand même. Quoique après, ça reste de la voiture, donc c'est pas non plus trop abusé. C'est bien de faire des lives le matin, surtout entre 6 et 11 heures. Oh mon Dieu, 10 heures, c'est l'heure où je me lève. Eh ben, dès le matin, pourquoi pas? Tu feras un let's play sur Diablo 3 sur ta chaîne Multigaming. Je sais pas, c'est pas impossible. En plus, j'adore les jeux de. Alors, pas spécialement les jeux Diablo, mais j'adore les hack and slash. Donc, pourquoi pas? J'ai dérapé un peu. Les hack and slash. Donc, pourquoi pas faire des. Pourquoi en fait ils me font tous ces appels de phare? Salut. Ah, parce que peut-être parce que j'ai les feux de route. Eh, ce serait super bien fait. Franchement, si c'est pour ça qu'ils me font des appels de phare, c'est trop énorme. Alors, est-ce qu'on fait des appels de phare parce que j'ai les feux de route? Attendez, je veux voir.
Je veux voir si je mets les feux de route, s'ils arrivent en face. Attendez, faut faire un test là. C'est trop énorme. Attendez. Si. Faut. Je vois si. Alors là, on est au rouge. On est arrivé à Aarhus. Nouvelle ville qu'on a encore jamais visitée dans Euro Truck 2. C'est une très bonne nouvelle. Allez, redémarre. Et là, c'est justement quand je veux croiser un véhicule pour voir si oui ou non il y a un problème. Enfin, non, il n'y a pas de problème. S'il y a vraiment y a une animation avec les feux ou pas. Et je vois plus personne. Mon dieu, je t'aime car t'es le best. Merci. Merci beaucoup. Alors, environ combien combien de quoi combien je sais pas combien de quoi. Alors, le Galaxy Tebow, évitez. Parce que vous, je suis sûr que vous me prenez pour un pigeon. Non, non. Est-ce que tu vas faire du Forza en multi en vidéo sur Forza Horizon 2, sûrement, oui. Pas sur le premier, parce que j'ai plus le Xbox Live. Mais sur Xbox One, je vais le reprendre, ouais. Je pense. Je pense que je vais reprendre un petit abonnement. Alors, j'espère qu'on peut toujours avoir les points à 35 euros par an sur le site. On verra bien. Et il me semble qu'on peut, hein. Je prendrai un abonnement à l'année, comme ça je serai tranquille. Ce sera beaucoup mieux. Hop, et on va aller poser notre petite remorque, les amis. Alors, on met les feux de route, il n'y a plus personne, normalement. Oh, ça aurait été marrant qu'on voit d'autres routiers qui passent dans la boîte et tout. Ça aurait rajouté une petite dose de réalisme dans ce ETS2. Ils auraient pu le faire. Voilà. Allez, on va se garer, tranquille. Tac, 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 tac. Attention. Voilà, on va tenter. Par contre, je vois que dalle. On va le faire en vue externe. Parce qu'on voit pas grand chose la nuit, ça. Un truc de psycho. Prat ? Alors, pas trop, pas trop, pas trop. Mais un petit peu quand même. Voilà, on redresse. Attendez. Nickel, je me concentre un petit peu, hein. Je pense que ça passe. Yes, c'est bon, c'est parfait, cher Galaxien. Nickel, on est passé niveau 3 néophyte. Parfait. Bon, bah écoutez, voilà. C'est cool. On a terminé ce nouvel épisode de la guerre suivie. Non, pas le multi avec ta connexion. Ah, mais pas en live. Je parlais pas du live. Je parlais pas du live, moi, sur du Forza. Non, non, non. Et parler, faire des vidéos, oui. Des vidéos en multijoueur, oui. Mais pas en live. Je pourrais pas, oui, non. Alors, ceux qui pensaient que je parlais de le faire sur la GRTV, non, non, je pourrais pas faire du multi en live. C'est pas prévu. Par contre, je pourrais faire des vidéos, oui. Vidéo balade ou des trucs comme ça sur Forza 2. Voilà. Du premier coup, GG. Ah, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive. Feras-tu du Mario Kart 8? Oui, j'en ferai sûrement pour... du Mario Kart 8, j'en ferai sûrement pour... comment dire? J'en ferai sûrement un petit tournoi bientôt. Alors, je sais pas combien de personnes ont la Wii U. C'est ça qui est chiant. Je sais pas trop. Alors, je vous propose un truc, c'est qu'on aille à l'hôtel. Alors, j'essaie de trouver l'hôtel ici. Ça doit pas être trop loin. Attends, c'est bon, on peut y aller. Ouais, on y va. Vite, on accélère. Je crois que l'hôtel est par là-bas. Je vais aller faire un tour et on va pouvoir comme ça aller se reposer. Parce que mine de rien, on se repose jamais dans le jeu. Hein. C'est bizarre ça. On se repose jamais et de toute façon, là, on va s'arrêter. Donc, je vais aller me mettre. Nouveau message. Donc, ça, c'est pourquoi. C'est un concessionnaire Renault. Yes! C'est bien ça. Donc c'est là-bas, il me semble. Laisse-moi passer. Merci. Hop. On va freiner, feu rouge. T'as pas une ampoule grillée? Tes phares sont pas forts. Alors oui, mais mes phares sont pas forts. C'est parce que, bon, il y a quand même encore un petit souci de réglage. Mais vous en faites pas, je le réglerai pour le prochain. J'avais déjà dit ça l'autre fois. Non mais vraiment, faut que je règle le souci. Vous en faites pas, ce sera pas non plus... Là, on voit mieux. Parce que vraiment, au dernier épisode, on voyait rien, hein. C'est un truc de fou. S'il faut un métier qui m'intéresse à aéronautique... Ah, faut y aller. Hop, on y va. Oula, 9ème vitesse, d'un coup, ça va pas le faire. J'ai la Wii U. Ouais, c'est vrai que vraiment, j'hésitais à faire des tournois sur Mario Kart 8 parce que, justement, j'ai peur qu'il y ait personne. J'ai vu des lives, par exemple, de Lucas TV, qui, lui, a eu personne sur son... Enfin, a eu pas beaucoup de monde en tournoi sur son live. Donc c'est pour ça que c'est un peu limite. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, ce ne seront pas des lives, mais des vidéos, hein, parce que je ne peux pas faire de Mario Kart 8 en live. On a essayé l'autre fois et c'était pas possible, hein. C'était pas possible du tout. Hop, on s'arrête. Voilà les amis, on va sauvegarder. Si vous êtes d'accord, on sauvegarde et on va regarder l'email qu'on a reçu. Hop, qu'est-ce qu'on a reçu comme email? Alors, banque. Bon, vous aider à vous débloquer, à vous développer. Attendez, je voulais voir un petit tour dans la banque. Banque.
au niveau du prêt qu'on avait fait. 100 000, solde à rembourser 91 000. C'est tout? Que 335? 2888 par jour. Ok, bon, heureusement, on augmente petit à petit en sous. Ça va. Bah écoutez, c'est cool, on va re-sauvegarder parce que j'ai répondu. Enfin, j'ai ouvert l'email, du moins. Pardon pour le petit rototo. Bonjour Mathias. Tu roules combien de kilomètres today épique? Et du War Thunder, je te dirais ou pas? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur War Thunder. Mais bon, voilà. Bon, alors écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. J'aurais bien voulu vous expliquer un petit peu le principe de... Tu viens Mumble pour la fin? Quoi? Ah non, je vais pas sur Mumble, ça va me faire bugger. Non, et je disais, oui, vraiment, je voulais vous montrer un petit peu PlugDJ, mais ça va pas être possible. Donc bon, écoutez, je vais stopper la rediff pour ceux qui me regardent, là, qui me regardent. Donc merci en tout cas à ceux qui m'ont regardé la rediff sur YouTube. Je vous dis, portez-vous bien, on se retrouvera pour un prochain épisode. Je vais sortir du jeu par contre. Merci à vous et...